Alors, il y a la fameuse question qui est très 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 connue. On va la répéter et on va un peu essayer de lui donner un peu plus de sens que ce qu'il y a d'habitude. Vous savez qu'on doit boire 4 verres de vin. Et Rahamim, il pose tout le temps la question, pourquoi? La première question qu'on pose dans la Haggadah de Pessah, pourquoi 4 verres de vin? Pourquoi on doit boire 4? Réponse. Parce qu'Hachem, lorsqu'il a enfin libéré le Ham Israël, quand on sort, il a dit un passouk dans lequel il mentionne 4 langages de libération. Il dit: Veotseti, Veitsalti, Vegaalti, Velakarti, Lileam. Je traduis. Veotseti, je vous ai fait sortir. Veitsalti, je vous ai sauvé. Vegaalti, je vous ai libéré. Velakarti, Lileam, et je vous ai pris en tant que peuple pour moi. T'aurais pu me dire, c'est bon, t'es libre. Pourquoi quatre fois dans le même texte? Pourquoi quatre fois la même chose? Ramim te dit, il y a eu quatre niveaux dans la Géoula, quatre niveaux de libération. Ces quatre niveaux de libération-là, pour quatre niveaux de libération, on a quatre vers. Et quel rapport? Pourquoi un verre de vin symboliserait la libération? Et c'est quoi ces quatre niveaux de libération italiens sur quatre échelles? Ah, il y a plusieurs réponses, on va en donner une qui est sympathique. Vous savez que lorsqu'Abraham a reçu la prophétie qu'il allait avoir Yitzhak, Hachem lui a dit également que ses enfants iraient en exil et qu'ils souffriraient. Il lui a dit combien de temps tout ça va se passer? 430 ans. 430 ans. Ok? Maintenant, on est resté combien de temps au final? Ah, les garçons, vous me faites peur. 210 ans. 210 ans. Bah oui, 210 ans. 210 ans, on est resté au final. Ok. Combien de temps sur ces 210 ans on a souffert? 210 ans. Non. C'est écrit dans Rashi rapporte au nom de la Gemara ou le Minra, je ne sais plus. C'est écrit que tout le temps où Yaakov ou un de ses fils était vivant, on ne nous touchait pas. Personne n'a pensé à nous faire du mal. On était tranquille. Quand est-ce que les souffrances, elles ont apparu? Elles sont apparues quand ils sont tous morts. À ce moment-là est née Myriam. Myriam. À ce moment-là, précisément, on voit que les Lévim, vous savez que les Lévim, ils n'ont pas été touchés. Les Lévim, ils ont étudié la Torah, les mitzvot, ils n'ont pas été touchés. Mais Amram, le chef des Lévim et le papa de Myriam, comme il a vu qu'il y avait des souffrances, il a dit, je vais m'associer aux souffrances. Je ne peux pas laisser mes frères qui souffrent et nous, on est peinards. Comment il voulait en permanence qu'il y ait un rappel dans sa vie qu'il y avait de la souffrance pour l'homme Israël. Sa fille qui venait de naître, il l'a appelée Myriam. Pourquoi Myriam? Parce que c'est écrit, Vaïmareru et Trayehem. Ils ont rendu leur vie amère. C'est pour ça qu'on mange du maror. Myriam, maror, tout ça, c'est le même mot. Myriam, c'est quelque chose de amer. Il a voulu symboliser ça. C'est à ce moment-là qu'ont commencé les souffrances. Combien de temps le gars de Vinay rapporte? Combien de temps exactement ça a duré? 86 ans. Entre le moment où les souffrances, l'oppression, elle a débuté et la libération, elle a eu lieu, il y a eu 86 années. De là, Rahamim, ils te disent, tu as souffert 86, tu aurais dû souffrir 430. Ok? Combien il manque? 86, c'est un cinquième de 430. Il manque 4 cinquièmes. C'est pourquoi 4 cinquièmes où tu aurais dû souffrir, donc 4 cinquièmes où il aurait dû être de la rigueur. La rigueur, je vous ai dit, c'est pour ça qu'on prend du vin rouge. Le vin rouge, c'est la rigueur. Et on prend quoi comme rigueur? Pourquoi la rigueur? Pourquoi c'est des notions de rigueur? Parce que dans le nom d'Hachem, il y a deux noms. Dans les noms d'Hachem, il y a deux. Il y a Hachem, Yudke, Vavke, c'est la miséricorde. Et il y a Elohim. Elohim, c'est la rigueur, valeur numérique 86. Rami, il te dit, tu prends le vin qui est le symbole de la rigueur. Et c'est comment on dit un verre en hébreu? Kos. Kos, valeur numérique 86. Ouais. Tu prends 4 fois kos, 4 fois 86. Pourquoi? C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit 4 verbes. Veotse, tivi, itzal, tivi, gal, tivi, la karti. Normalement, tu aurais dû avoir encore 4 fois 86 de souffrance. Pour les premiers 86, veotse, ti. Pour les deuxièmes 86, veitzal, ti. Pour les troisièmes 86, Vegalti. Et pour le quatrième 86 que tu n'as pas fait, Velakarti. Je vous ai sauvé. C'est vrai qu'il nous a sauvé. C'est quoi sauvé? 86, on les a pris. On a pris 86 de souffrance. Il nous a sauvé des 4 cinquièmes qui restaient. Akadosh Baruch Hu, il nous les a donnés gratuitement. C'est pour ça qu'on prend des verres de vin. Le vin, c'est Kos. Le vin, c'est Yaïn, c'est la rigueur. Le verre, c'est Kos. Et la rigueur, c'est Elohim, c'est 86. Le verre, c'est 86. Tout le symbole de 86 est ainsi rassemblé. On lève ce verre-là. On dit à Kadosh Baoro, merci 4 fois. C'est pour ça qu'on prend un verre de vin à chaque fois. Parce que tu nous as épargné de 4 cinquièmes de douleur.